Écoutons un peu rapidement la sortie de Baron de Suisse. J'ai comme impression qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas dans cette affaire. Écoutons un peu rapidement. J'ai quelques mots là, j'ai deux mots à lui dire. Écoutons, je vous prends après. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Une bande de sorciers, moi je le dis, sans état d'âme. Prince Aimé était avec vous au Cameroun. On ne vous a pas vu. Prince Aimé, que vous êtes en train de parler là. Si des bordeaux n'étaient pas venus de la Côte d'Ivoire pour prendre des bordeaux et le mettre comme on a mis là, on ne vous a pas vu. Prince Aimé était ici en Europe, en France. Il chantait dans le métro. C'était tellement dur pour lui. Il a demandé de rentrer au Cameroun. Il est arrivé au Cameroun. Il n'avait même plus où dormir. Je vous remonte la vidéo où Longuet était en train de demander de l'aide pour lui. Vous étiez tous assis au Cameroun. Vous étiez tous assis au Cameroun. Parce qu'on appelle ça de la sorcellerie. Vous faites de la sorcellerie. Avant que je ne vous montre, moi j'ai eu à appeler Gâteau International qui dit qu'il est le manager. Apparemment, c'est le manager. Je lui ai demandé quels sont les accords. Il me dit que tout est parfait. L'équipe de Bordeaux Lukoufa a accepté les droits d'auteur à Prince Aimé. L'équipe de Bordeaux Lukoufa a dit qu'ils vont valoriser et Prince Aimé va toucher ses royalties. Il m'a même dit que à la dernière minute, peut-être Prince Aimé va poser la voix. Ils sont en train d'attendre le truc pour voir si Prince Aimé va aller poser la voix. Maintenant, vous là, vous sortez d'où là? Vous sortez d'où? Donc, à chaque fois qu'il y aura un buzz au Cameroun, même les stars, vous allez vous accrocher comme des sangsues, sans honte, sans dignité. Il n'y a pas assez de petits artistes au Cameroun que vous pouvez valoriser. Vous êtes des grosses têtes. Pourquoi vous ne prenez pas les artistes au quartier, vous les valorisez? Vous vous accrochez sur eux. C'est-à-dire qu'un Ivoirien est venu nous montrer qu'il y avait quelqu'un, parce qu'il est infirme, mais il a du talent. Malox, tu te poses la question. Mais ça, tu as le boivement. Prince Aimé n'avait pas où dormir à Douala. Est-ce qu'on t'a vu un jour dire que tu vas même organiser un petit concert dans ton boivement pour Prince Aimé? C'est-à-dire qu'organiser même une petite soirée. Une petite soirée pour Prince Aimé dans ton boivement. N'est-ce pas? On a vu comment Prince Aimé pleurait ici. Prince Aimé parlait de son problème de chambre. Il n'avait pas dormi. Vous étiez assis au Cameroun. C'est Longuet qui l'amène devant le monde entier. C'est ridiculisé pour dire qu'il dort. Il n'a pas dormi. Vous, les grosses têtes là, vous étiez assis au Cameroun. On ne vous a pas vu. Tout d'un coup, un Ivoirien vient pour valoriser. Vous sortez là avec la sorcellerie à la Camerounaise. Vous venez dire que, oui, on va remixer, oui, je vais donner ceci, oui, je vais donner cela. Tout ça pour créer le désordre, après vous allez l'abandonner. Comme d'habitude, nous sommes habitués. Nous sommes habitués à ça. Créer le désordre, quand ça finit, vous prenez vos pieds, vous partez. Et vous le laissez dans sa mère. Il était là, vous étiez où? Hein? Longuet, quand il se battait ici, vous étiez où? Vous étiez au Cameroun? Est-ce que j'ai vu un de vous donner même un radis dans les canyons que Longuet donnait? C'est une partie de l'argent de la diaspora qui a donné 10 euros, 20 euros, 30 euros. Tout d'un coup, on vous voit venir. Vous venez là, oh, vraiment, on va remixer avec les grosses têtes. On va... Mais si vous l'aimez, ce que vous allez faire, vous êtes des grosses têtes, vous êtes des grosses pontues, vous laissez le son Vidiane tranquillement, vous mettez l'enfant en studio, vous écrivez des sons, vous écrivez ensemble, vous le faites sortir un album. C'est ça qu'on dit aider un artiste. Pas venir vous accaparer encore, Vidiane, c'est quoi avec vous? Laissez des Bordeaux finir l'affaire. Laissez des Bordeaux finir l'affaire. C'est quoi ça? On est avec des gens, des méchants comme ça là. Tout ça pour gâter. Pour gâter. Oh, je vais donner ceci. Mais le prince est mis au Cameroun. Il est encore au Cameroun, hein? Vous faites tout ça après, Debordo Likoufa abandonne. Vous, est-ce que vous avez plus de force que Debordo Likoufa? Ce sont les appris parce que Debordo a fait un. Ça a démarré au Nigeria. C'est venu trouver. Debordo s'est chargé. J'ai demandé encore bien à son manager Gâteau. Il m'a dit que tout est sécurisé. L'équipe de Debordo a accepté de donner les droits, ce qui revient après s'aimer. Mais vous faites quoi là? C'est quoi votre problème? Vous voulez remixer Vivian combien de fois? 100 fois? C'est quoi ces histoires? Mais vous les mettez à leur studio, vous écrivez, vous faites des nouvelles chansons. Est-ce que c'est fini? Vous pouvez écrire les nouvelles chansons. Vous, les gros stars là qui voulez, vous êtes 5. Oh, je vais écrire comme ça. Oh, on va faire comme ça. Oh, on va poser. Ne posez pas vos voix sur Viviane. Vous êtes des stars. Vous avez des hits. Allez, Prince Aimé, c'est un compositeur. Vous composez avec lui. Vous le mettez en studio. Il sort la chanson. Vous produisez. Arrêtez de nous déranger avec l'opportunité. On va pas vous dire ça. Moi, je vous dis ça et puis je vais dormir tranquille ce soir. Je vais vous dire la vérité au calme et je vais dormir tranquille ce soir. On appelle ça la sorcellerie à la Camerounaise. Vous êtes en train de vouloir détruire le travail des Debordo Likoufa et je ne suis pas d'accord. Laissez le buzz là-bas où il est, des bordeaux finis, il porte Prince Aimé, il le soulève. Arrêtez la sorcellerie. C'est quoi ça? Maintenant vous voulez déranger le projet? Vous voulez venir créer le désordre? Pour dire que non, il faut que les Camerounais soutiennent le son qui va sortir avec les gros stars. Zéro. Vous êtes des opportunistes. Je vous le dis tranquillement. Et je vous dis ça tranquillement et je vais dormir. Je vais dormir tranquillement. On ne peut pas avoir des gens comme ça là. Moi je voudrais remercier si des bordeaux Likoufa. Et Longuet. Voilà les deux qui se sont sacrifiés. C'est quoi ça? Voilà, ma mère, je ne te clash pas. Pardon, j'aime la paix. Ce que je voulais juste savoir, pourquoi Debordo ne traite pas avec l'ancien manager de Prince Aimé?
ils étaient au téléphone, non? Ils ont discuté, non? Pourquoi Desbordeaux a déjoué l'ancien manager? Maman, je pense que tu es dans le monde de la musique. Tu te vois tous les jours avec les artistes. Tu es même manager, à ce que je pense. Est-ce que ces choses-là se passent, se passent avec la bouche que j'ai dit que je vais faire ceci, j'ai dit que je vais faire cela? Je pense que tout se passe sur écrit, non? Laissons même les écrits. Au départ, Desbordeaux était sur la bonne voie. Moi, j'étais content quand Desbordeaux a annoncé qu'il va entrer en studio pour le remix de Viviane. J'étais content. J'ai dit, waouh, oh, ça c'est un grand monsieur. Mais j'étais surpris. Voici où il y a ma déception et voici où je soutiens Malox. Quand il revient nous dit que le son est déjà fini et qu'il a fait le son avec Fouda, il dit, pendant que nous on est là à Simpian, on attend le remix avec Prince Aimé. Tu viens nous dire maintenant qu'il a dit que Prince Aimé va poser la voix et qu'il va recevoir les droits d'auteur. Ça, c'est ce qu'il a dit. Montre-moi le poste où Desbordeaux lui m'a fait sur sa page en disant que Prince Aimé va poser la voix et que Prince Aimé va recevoir les droits d'auteur. Ça, c'est ce qu'on dit dans les barbares. J'ai discuté avec l'ancien manager. L'ancien manager de Prince Aimé. On était au téléphone, on a fait plus d'une heure de temps au téléphone. Il m'a expliqué tout. Je préfère rester avec. Parce que lui, il a lavé ses mains. C'est pour ça que dans ma récente vidéo, si je pleurais, Longueur devait manager l'affaire-ci en professionnel, en pro. Maintenant, tu dis que Malox était où? S'il faut répondre à cette question, Gâteau était où quand Longueur montait et descendait aussi avec Prince Aimé? Et c'est la sortie de Desbordeaux qui crée tout ce désordre-là. Parce que Desbordeaux a dit qu'il a validé le son jusqu'à mettre le truc de validation. Donc, il a validé, le son est déjà fini. Il s'est préparé pour le clip. Donc, même s'il est revenu, dit qu'il reverse les droits d'auteur, c'est parce qu'on s'est ancré, s'est levé pour dire que mon ami, les Camerounais ne sont pas tontons. C'est pour ça qu'il, pour cette raison, même s'il est revenu voir comme Gâteau, c'est parce qu'il voit déjà la courbe qui monte très mal et qu'on peut saboter son son. Voilà, donc, vous pensez que votre sortie là va empêcher? Je connais Malox. Et quand Malox va faire sa sortie, ça va vibrer. Il y a quoi? Quand Malox dit qu'il va faire ça, il va faire. Il va faire. Et le son va prendre. Voilà, il y a tous les Emmy Dany que tu as cité, les Emmy Dany. Tous les. Ça sera la magie. Ça sera la magie. Il y aura seulement ce duel-là. Il n'y a rien à faire. Qui va stopper ça? Chacun est libre de faire le remix, non? Et si Prince Aimé mange des deux côtés, quel est le problème? Si Chop chez Desbordeaux, il Chop ce Malox, c'est en sa faveur, non? L'essentiel, c'est que mon souhait, c'est que les deux sont mages. Les deux sont explosent comme Prince Aimé va Chop bien des deux côtés. Tu ne vois pas aussi de l'autre côté que Desbordeaux esquive d'aller dans les concerts avec ce son, avec Prince Aimé. D'aller dans les concerts Prince Aimé, qu'on va l'inviter après la sortie de ce son. Parce que c'est un son qu'il va prendre. Il sera invité dans les concerts. Et s'il voit que, bon, il y a beaucoup de trucs, mieux je reste comme je regarde là. Regardons. On se regarde, on se comprend. Mais laisse. Je sais pas ce que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire là-bas. Les Ivoiriens vous ont donné, vous commencez à supporter les Ivoiriens, même où il ne fallait pas. Nous là. Moi, et depuis l'histoire, si je jongle ici, je jongle là-bas, je ne prends pas parti, mais ici, là, c'est pour ça que d'autres me trouvaient des bilingues ou bien de quoi là. Ici, je prends parti. Je suis avec Malox. Pion, je suis avec Malox. Si Desbordeaux avait fait le son, si il était entré en studio avec Prince Aimé, on ne serait plus là. On ne serait plus là. Voilà où il y a le problème. Merci de partager la vidéo. On est là! Personne ne dort.